vlog, on vous retrouve aujourd'hui en direct du petit déjeuner avec une Mila qui a très très faim. Très très soif. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Cet enfant a toujours faim. Cet enfant a bon appétit. Mila, elle a toujours son rhume, le nez qui coule. Bon, oui, oui, tu vas là, mon cœur. Oh mon bébé chat. Bon elle a pas de fièvre mais bon c'est franchement c'est pénible. La prochaine fois tu foutras ta cagoule. Bon et du coup petit déj, quoi petit déj? Mais quoi mon cœur? Oui. Alors on a fait des petits pains au chocolat. Des pains au chocolat. C'est des pains au chocolat surgelés. Mais franchement ils sont trop bons. Alors au niveau des boissons, mango juice. Donc ça c'est quelque chose qu'on adore tous les deux. Et Mila aussi l'aime bien. Et moi je commence ça, c'est le True Beauty de Natural Mojo. C'est 100% naturel, je vous ai déjà beaucoup parlé de cette marque là. C'est un complément alimentaire. Et celui-ci ça aide à faire pousser les cheveux, les ongles, etc. Donc c'est vachement bien. Moi je mélange ça à mon jus de mangue tout simplement. Vous voyez tout est noté ici. Combinaison unique de fruits et de super aliments donne la vigueur à votre peau, cheveux, ongles. Les vitamines C et E, le manganèse, le sélénium, le cuivre ainsi que le zinc protègent les cellules de votre corps contre le stress oxydant et empêchent la formation des radicaux libres. Donc voilà, je dois simplement mettre 10 g de la poudre dans 200 ml d'eau ou alors dans du fromage blanc ou dans du jus. Moi c'est ce que je fais souvent dans le fromage blanc. Mais celui-ci c'est la première fois que je le goûte et il sent hyper bon. Donc j'ai senti, franchement, ça sent hyper bon, ça sent les fruits rouges. Vous voyez, c'est vachement bien. Alors Alex ayant envie d'avoir une très longue chevelure et de très longues ongles a décidé... Non moi j'ai envie de goûter, quel goût ça. De s'en faire un aussi. J'aime bien les fruits des bois. Ça sent hyper bon. En tout cas nous on a un plein test de Natural Mojo et on a déjà testé pas mal de choses et franchement moi j'aime bien tout ce qu'ils font. Jusqu'ici tout ce que j'ai goûté c'était vachement bon. J'allais oublier de vous dire le plus important bien sûr. J'ai toujours 15% avec le code MILA15, je vous mets en barre d'infos. Ça vous fait une belle réduction sur le produit donc... N'hésitez pas, il y a toute la gamme qu'Alex, Alex il en prend depuis un certain moment maintenant. Ça doit faire la troisième boîte qui vide. Tout ce qui est fit, donc Alex il prend ça en complément du sport bien sûr. Mais il prend ça des fois comme repas le midi, etc. Et c'est plutôt pas mal, donc voilà. Au cas où ça vous intéresse, le bon de Réduc, il est en barre d'infos. À part ça aujourd'hui au programme, on était censé aller ce matin au bébé nageur. On avait prévu ça début de semaine. Malheureusement Mila est vraiment malade. Et donc ça va pas être possible, on peut pas l'amener à la piscine dans un état pareil quoi, c'est pas possible. Donc je pense qu'on va encore rester à la maison aujourd'hui. Je vais faire 2-3 petits bricolages avec elle. Sinon, allez voir ma foire aux questions. J'ai un nain à vous présenter. J'ai 2 nains à vous présenter. Je vous mets le lien de la vidéo ici parce que si vous donne pas le lien, ça peut pas le faire. Moi je donne rien. Je prends. Je suis comme ça, moi je donne rien. Rien du tout, je prends tout. Hein. Même les liens, je les garde pour moi. Et pendant ce temps-là, on regarde des vidéos du bel macho. Qu'est-ce que c'est? C'est un diamant! Oh, le joli diamant. Ça c'est un capuchon de bibi. Des bibis. Bon, comme vous pouvez le remarquer, c'est le bazar partout. Donc ah oui, ça c'est les yeux de Monsieur Patate. C'est plein de choses que j'ai retrouvées dans le dressing quand j'ai fait le rangement. Et du coup là je vais ranger un peu tout ce qui est couloir et notre chambre encore une fois. Alex il est parti faire du VTT avec un pote à lui. Alors je vous retrouve bien plus tard en direct du lit.
Oui, en direct du lit. Il est pas super tard. J'ai donné à manger à Mila il y a une bonne demi-heure. Franchement, elle a passé sa journée à dormir. Mila ne fait jamais ça. Et là, pour... là elle est en forme maintenant, c'est malin. Mais je l'ai laissé dormir parce qu'elle avait vraiment les yeux super irrités, tout ça. Le nez qui coule, vous voyez, elle tousse même. Donc je suis un peu blasée. Si demain ça va pas mieux, je pense que j'irai chez le médecin parce que c'est pas au Stérimar que ça va se soigner. Je pensais vraiment que ça allait partir super vite, mais là, j'ai l'impression que ça empire. Et moi, je commence à avoir mal à la gorge aussi. Donc c'est un petit peu la galère, j'ai aussi un peu mal à la tête, etc. Enfin c'était pas une très bonne journée pour un samedi en plus. Alex n'est toujours pas rentré, donc il va seulement rentrer, je viens de l'avoir au téléphone, il sera là dans un quart d'heure. Il est passé à la boîte postale par contre, il m'a dit qu'il y avait pas mal de colis. Donc s'il arrive, je pense qu'il devrait arriver d'ici 10-15 minutes. Peut-être que je pourrais faire l'ouverture des colis si elle dort, pas. Et je pense pas qu'elle va... Elle a l'air assez en forme du coup d'avoir dormi cet après-midi, donc je pense pas qu'elle va dormir tout de suite. Je suis venue dans le lit pour qu'elle reste calme, quoi, parce qu'elle est en train de s'énerver un peu en bas. Oh mon petit chat, c'est une toux sèche en plus. Enfin on verra bien demain. C'est ta tétine. Et Doudou, elle est en train de vous montrer sa tétite et son doudou. Dans les colis, logiquement, il y a plusieurs choses pour elle, mais qu'elle peut pas avoir tout de suite. C'est pour fin décembre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je verrai ce que je peux vous montrer à vous et qu'elle ne verra pas elle. Ça c'est pour la fameuse fête de décembre. Tu ne peux pas. Du coup Mila, elle va pas... Mila va pas l'avoir montée avant, avant ce moment-là. Ça vient de chez Lidl. Donc c'est une maison de poupée qui est trop belle. Elle coûte 34,90€ chez Lidl. Ça vaut vraiment le coup parce que franchement pour une maison en bois comme ça, aussi grande, il faut facilement le double voire le triple au niveau de l'argent. Donc ça vaut le coup. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les faire, de repeindre tout ce qui est bleu et rouge aux couleurs de la chambre de Mila. Et ça c'est les autres colis qu'Alex a été chercher à la boîte postale. Donc voilà, c'est tout ce qu'on doit regarder. Mais je sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer maintenant. Papa va me donner un coup de main. Attention, ça va tomber papa. Regarde. Elle rigole, elle essaye de le faire tomber. C'est vraiment une montagne de colis là. Tremblement. Tu vas me donner un coup de main pour tout ouvrir, papa? Je vais chercher un cutter ou un couteau ou de quoi couper le scotch. Ok. Comme vous voyez, il y en a une qui est experte en ouverture de colis. Et doucement. Regardez-moi ça. Alors, j'ai reçu ça de chez Octoly Slow Edge. C'est parfait pour moi. Je vous en reparlerai quand j'aurai testé. Alors ça, c'est quelque chose que je reçois de la marque Lilliputien. Je suis trop contente. J'ai pas encore vu, mais je sais que ça va beaucoup me plaire. Par contre, Mila peut pas le voir parce que c'est quelque chose que je veux lui donner fin décembre également. Pour celles qui se demandent pourquoi je dis fin décembre... Parce qu'il y a des plus jeunes qui nous regardent. Voilà. Et que Santa Claus apporte les cadeaux. Voilà, c'est ça. Le vieux. On va l'appeler le vieux. Le vieux barbu. Sachant que de toute façon, je vais vous faire bientôt une wishlist des cadeaux de Noël de Mila. Et à mon avis, je vous montrerai ça dedans. Non, mais tu peux pas regarder ce que c'est. Mila est trop curieuse. J'ai essayé de vous montrer, mais c'est emballé, du coup c'est pas évident. Tu ne peux pas, il y a plein de trucs. Regardez. Et papa qui essaye d'esquiver. Waouh, c'est trop joli. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ok. On remballe, papa, on remballe. Hop, on remballe. Attention, la chipie, elle arrive derrière. On envoie ça au pôle Nord, vite fait, bien fait. Et donc ça, c'est la marque Lilliputien. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre.
En fait, il y a une deuxième chose qui est juste superbe. Je l'ai vue en photo seulement, mais... Mila... Mila est derrière. Alors, la deuxième chose, on va essayer de la sortir, mais là, c'est plus grand, par contre, ça va être compliqué. Non, mais... La tête, elle est à l'autre bout du sac. Mais non, là, t'as le derrière, là. Voilà, c'est pépette. Mais elle peut pas voir, ça va être compliqué de... Elle est là-bas. Attention qu'elle voit pas, papa. Donc voilà, vous voyez, c'est une énorme licorne. Hop, 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 qui est comme ça. C'est une licorne d'activité, il y a plein de trucs dessus. Mais bon, remets-la dans le carton, papa. Remets-la dans le sac, parce que le carton, elle est beige clair. Hein, elle va s'en prendre, à mon avis, des taches et des trucs comme ça, connaissant Mila, mais... Donc voilà, ça, bien sûr, c'est des choses que je vous montrerai mieux bientôt, quand Mila sera pas là, parce que là, je vous l'ai montré vraiment pour faire le unboxing. Faites pas attention à tout le bazar, hein. Je vous rappelle, pour celles qui viennent d'arriver, on sait-on jamais, je vous rappelle que toutes les affaires de Mila sont dans notre chambre, parce qu'on est en train de refaire une grosse partie de la chambre de Mila, donc il y a plein d'affaires partout, c'est pour ça que c'est le gros bordel, on peut le dire. Bon, il y a pas mal de colis, hein. Il en reste 4, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer les autres, mais je pense. Là, on est en train d'ouvrir le colis d'une abonnée, je sais pas ce que c'est du tout, une abonnée belge en plus. Il y a toute une lettre et tout, il y a de la lecture. Et de la lecture ? La lecture, il y a une photo. Oh, mais je pense que c'est une abonnée de 22 ans qui a un enfant. Oh, trop cool! C'est pas une toute jeune, genre elle est vieille. Non, mais c'est vrai. Oh, trop chouette, c'est super joli. Je vais peut-être pas vous montrer le mot parce que c'est toujours personnel. Ah, il y a un menu, c'est un swap. Ah, ça, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous le faire maintenant parce que j'ai envie de le faire à la lumière, que ce soit bien fait. Donc, on le fera demain. Donc rendez-vous demain pour l'ouverture de ce swap. Et déjà merci à toi si tu vois ce petit passage. Daniela. Merci Daniela, on ouvre ça demain en vidéo. C'est ce que je ferai demain matin. Alors ça c'est la marque, c'est Petit Bavard si je dis pas de bêtises. Et je sais très bien ce que c'est, Alex. Il a peut-être une idée parce que je lui avais demandé sa taille et son choix, mais il se rappelle plus, je pense. Ah, c'est pour moi ? Il y a un truc pour toi, un truc pour Mila et un truc pour moi. Je me souviens, je t'avais dit, ouais, prends-moi ça, mais je me souviens plus exactement le truc, mais je me souviens, il y avait un truc... Vous allez voir tout de suite ce que c'est. 1000 raisons de sourire. Ça, c'est celui de Roxane. Ça, c'est celui de Mila, mais il a un... J'allais dire, il est un peu grand, mais je pense que c'est la première taille qu'ils font, je suis plus certaine. Celui-ci, c'est le mien. C'est cool, hein? Ouais, ils sont super jolis. Tu montres? Oui, parce qu'ils regardent, mais ils montrent pas aux autres. Ouais, moi d'abord. Maman en or, c'est moi, yeah! T'as pris maman en or? Tu te la pètes pas trop, toi, ça va? Et papa? Papa en or. Ça va, il se la pète pas trop non plus, lui. Et ils sont trop chouettes, ils sont juste magnifiques. C'est un bleu chiné. Ah, ils sont trop beaux. Et c'est, vous voyez, c'est de la... Je vous montrerai ça demain parce que franchement, on voit pas bien. C'est trop joli. Complètement dans le gaz. Je crois même qu'elle est en train de s'endormir. Elle pique du nez. Voilà. Elle pète les plombs. Alors, il reste 2 trucs là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Marcel et Lily. Ah, Marcel et Lily. Encore une fois, je vous montrerai tout ça correctement demain, mais on va quand même l'ouvrir avec vous. Lily, Marcel et Lily, donc c'est un site internet, c'est une boutique en ligne. Ah. Ils font des trucs trop chouettes et je me rappelle absolument plus ce que j'ai choisi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un petit badge déjà. Je suis une fille trop géniale. Tu... Oh, trop canon. Je veux bien que tu le mettes à Mila. Mais c'est pour Mila. Oui, parce que sur toi, ça... Je suis une fille trop géniale. Oh, il est trop canon. Ce sont des mugs. Ah, oui. Enfin, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai pris un mug pour moi et un mug pour toi, si je me rappelle bien. Et le papa, marqué papa. Les boîtes sont magnifiques, déjà. Donc celui-là, c'est le tien. Mais je... Ah oui, j'ai pris que des mugs pour toi, en fait. Bah oui, étant donné que moi, je vois pas de café ni quoi que ce soit, j'ai pris que des mugs pour toi, c'est juste. Putain, c'est cool. Ah, ils sont superbes. Ils sont magnifiques. Je suis un père turbable. C'est trop drôle, j'adore. J'ai flashé là-dessus, mais je trouve ça trop bien. Ouais, et t'as un bouchon de liège dessus, c'est comme ça.
C'est le concept de ces mugs. Bah, ils sont chouettes, hein. À mon avis, c'est pour garder au chaud parce que la plupart du refroidissement se fait par évaporation. D'accord. Non, pas par évaporation, mais par perte de chaleur au-dessus due à l'évaporation. Tu nous montres l'autre. Donc, Marcel et Lily, à chacun son mug. Il y en a un deuxième. Je le range d'abord. T'es content? C'est très bien. En plus, j'étais en train de me dire... Il commence à me gaver les mugs qu'on a de chez Ikea dans lequel je prends mon café le matin. Ceux-là, ils sont super. Hein, ceux-ci, franchement, sont magnifiques. Surtout que t'en as fait tomber un. Ah bon? Et t'as cassé un peu le dessous. Enfin, c'est pas grave, je bois pas comme ça, mais... Je suis un papa trop génial. Moi, c'est crédible. Tout le monde le dit, en plus, sur ma dernière FAQ. Montre. Et derrière, c'est noté quoi, derrière? Fier de ma petite tribu. Fier d'elle, hein. Des fois, elle fait des bêtises, Roxane. Elle s'est encore fait gronder. Je vous montrerai ça demain à la lumière. Franchement, c'est trop chouette. Magnifique. Sur ce, on va faire un gros dodo. Je sais pas si Mila va dormir tout de suite parce qu'elle est encore en forme là. Mais je vais couper la télé, je vais faire semblant de dormir. Et elle va s'endormir comme ça. C'est comme ça que je fais en ce moment pour qu'elle s'endorme. J'ai hâte que son lit soit fait. Demain, papa, il s'y remet à fond. Et je pense qu'après demain, on va attaquer la peinture. Et ensuite, il faudra encore attendre le temps. Vous savez, on va laisser les fenêtres ouvertes de sa chambre pendant plusieurs jours. Le temps que l'odeur de peinture, même si c'est de la peinture spéciale pour les chambres, etc. Mais le temps que l'odeur de peinture, même s'il n'y a pas une forte odeur, que ça dégage de la chambre, quoi. Parce que je n'avais pas dormir tant que ça sent la peinture. Donc voilà, à mon avis, elle est encore avec nous pour au moins 10 jours. J'espère que ça va aller quand on va la remettre dans son lit. Parce qu'effectivement, ça fait une bonne semaine qu'elle dort avec nous. Donc ça fera 15 jours, 3 semaines en tout. Je pense que ça va être compliqué. Mais on verra bien, faudra bien qu'elle s'habitue, c'est comme ça. Sur ce, eh bien, je vous dis à demain dans un prochain vlog. Bisous!